Bonjour. Aujourd'hui, on va préparer la mrozia, une spécialité marocaine que l'on fait à Pessah, essentiellement à la sortie de Pessah pour la mimouna. Alors pour cela, vous avez besoin de fabriquer un miel maison, un verre de sucre, un verre d'eau, un demi-jus de citron, auquel j'ai additionné également 2 cuillères à café de fleurs d'oranger. Alors on doit obtenir un miel transparent. 200 g de raisins de Corinthe que l'on aura préalablement trempé dans de l'eau pendant une demi-heure. 100 g de noix décortiquées passées au four, ainsi que 100 g d'amandes émandées passées au four. On fait couler une goutte de miel sur le plan de travail, on attend qu'elle refroidisse et on glisse le doigt à l'intérieur pour voir la texture comme une sorte de miel perlé. Le miel est prêt. On a tous les ingrédients, les raisins, les noix et les amandes. On mélange le tout. On a tout mélangé à l'aide d'une cuillère en bois. On va d'abord renverser tout le miel. Et à l'aide d'une cuillère en bois, on remue. On remue bien pour que les amandes, les raisins secs et les noix s'imprègnent du miel. Une jolie coupe. Et on dispose tout le mélange encore chaud délicatement dans cette coupe. Et voilà, c'est prêt à être dégusté, voire même dévoré.